Welcome on Watches TV, and today I have to say that I am delighted to share with you a video which magnificently symbolizes what I love about watchmaking. A very original idea, leading towards total mechanical creativity with some extreme craftsmanship along the way. Well, sounds like quite a program, right? And we'll be able to do so as we had the visit of three gentlemen behind the making of a spectacular timepiece called Tempus Fujit. And it's more than a timepiece; it's a philosophical piece. Firstly, you have uh, Benoît Dubuis, a man running an important Swiss life science foundation, focused on innovation, and among different projects, well, they developed an algorithm, taking into account many personal parameters, leading to your statistical life expectancy information. Okay, this may sound a little bit spooky, but it's nevertheless the base idea of this watch. As this information is then programmed in the movement, and that's when Dominique Renault intervened on this development. For this countdown to work, well, you naturally need some kind of uh, time reference information, and I'm talking days, months, and years. And this led Dominique to develop an amazing perpetual calendar module from scratch, and to make things simple, well, he developed it in a way that it's actually a secular perpetual calendar, and this means that this movement corrects automatically any calendar. Anomalies for the next 10,000 years. So, this wheel indicating the first digit of the year information actually turns on itself in 10,000 years quite crazy huh? but this module is so extraordinary that i'm pretty sure that we'll come back on it in a separate video because it just fully deserves it and then you have julien tixier and despite his young age well julien is a true watchmaking mastermind and his role was to transform this piece's construction into reality and using existing components would have been way too easy so he actually took the freedom to start from scratch and also and in collaboration with Dominique where well, they engineered all the components uh, by themselves and then he fabricated them in his wonderful workshop of the Vallée de Joux. Everything is bespoke and adapted to the needs of this watch, he even turned the titanium case himself. Told you we're talking extreme craftsmanship, and to give you an idea of what watchmaking passion and devotion is all about, well, the first time this movement ticked was at one30 a.m. on the first of January this year, meaning that you can see where Julien spent his New Year's Eve, well, behind his workbench. So, a bit more than two years in the making, this piece is selected for this year's GPHG competition in the calendar category. But beyond this, it's just a formidable exercice de style and a philosophical piece. As I mentioned, you have this life expectancy countdown that you can see on the movement side with this sliding disk until the moment of your statistical trespassing. On one side you have a sense of eternity with the secular calendar and on the other side well a discrete remembrance that our passage on this planet is quite a short one and you should enjoy every moment of it. And to add a little bit of complexity, well when the countdown reaches 0 well a small hidden message will pop out and i wish uh, for the owner that he will, a he will be able to see this meaning that he defeated the statistics but before listening uh, to these uh, protagonists also wanted to add that this uh, secular perpetual movement is bulletproof and i mean you can't damage it you can go back and forth with uh, these uh, date informations and it will always be accurate regardless of the actual tricky date you might do uh, these kind of uh, operation but on this specific watch and uh, coming back to this uh, philosophical dimension well they didn't want to add any easy uh, calendar setting correctors as this watch is meant to live with you but this could uh, totally be done in a later stage. I mean, uh, an evolution of what they've brilliantly achieved. Okay, so now we'll shut up and let's listen to them. And this is a summarized version of this interview. And if you want to see it, it in, in its full length, then uh, come to our website for this watchestv.com, as most of it is in French and it lasts about 30 minutes. So just wanted to let you know. Enjoy. Au départ, il y avait l'idée de la complication. C'est-à-dire que quand on se positionne dans une période de temps, voire une éternité, on est obligé d'avoir une base de temps qui s'intègre dans cette réflexion. Et donc finalement, c'est une monde qui porte autant une philosophie qu'elle n'est supportée elle-même par une base technologique qui lui permette d'atteindre son but. Le message, il est vraiment positif, c'est dit engagez-vous parce qu'en fait le monde a besoin de vous et vous attendra pas. La mort sera là un jour et parce que, si le temps passe, parce que le temps passe. Et d'où le nom, Tempus Fugit. Ouais. En fait, c'est comme si on avait mis un sablier en bidimensionnel. C'est-à-dire qu'il va nous indiquer le pourcentage consommé de notre existence calculée. Et pas et la date de la et mort. Pas et pas la de date de, <laughs> de la mort, non. Bon, ouais, D'ailleurs, personne vrai. ne le sait. On est toujours basé sur une statistique. Oui, il y a toujours l'espoir, justement, de vivre un peu plus longtemps. Et d'être un que... survivant par rapport à la statistique. Puis je crois que ça, ça reflète, en fait, la vie. Parce que la vie, c'est ça. C'est quelque chose d'éphémère. Mais en même temps, toutes ces vies qui, qui s'ajoutent, c'est quelque chose qui devient éternel, puis chaque vie qui vient a besoin de la vie d'avant pour, pour être là. C'est une sorte de, de chaîne en fait qui se perpétue. Et puis je trouve que cette montre comme ça, cette ce, ce rebours lié avec ce calendrier perpétuel séculaire programmé sur presque dix mille ans, je trouvais que c'était quelque chose qui, qui, qui allait bien ensemble. Et donc j'ai pu en fait limiter et puis. Mettre tout ça sur le, le, le même mobile, en fait, avec euh, un système de juxtaposition des cames des siècles et de la cam des, des années bissextiles, de manière à, à limiter la place. Là. Tu en as travaillé des modèles. Hein. Ah je oui, me rappelle oui. encore quand tu étais dans l'atelier, euh, tu nous fabriquais des maquettes, euh, tu faisais sortir les pièces euh, en polyacrylique. Exactement, je découpais Ensuite, et je faisais euh... les fonctions à la main, donc là, pas d'ordinateur, rien du tout. Je... Et quand ça a commencé à fonctionner, bien sûr, là, il fallait trouver une personne qui puisse comprendre un peu les systèmes. Donc, j'avais fait la connaissance de Julien, qui s'était qui intéressé Quelque à l'époque, ouais. à l'ADR01. Tout a été réalisé à 99% dans l'atelier de Julien. Donc, c'est vraiment... Il est parti qui... d'une feuille blanche, en fait. Voilà. Une feuille complètement blanche. C'est, on va dire, une sorte de manifeste. Donc, de cette capsule-là, l'enfermer, et de faire en sorte que rien ne puisse... Être euh, traitée à part au niveau des informations. Donc le but c'est que tant qu'elle tourne, elle donne l'information exacte au reste de l'affichage. Donc ça c'est une des contraintes, il faut qu'elle tourne tout le temps. Une... Exactement. Oui. Mais elle ne va pas se dérégler, c'est-à-dire qu'on peut aller en arrière, en avant. Ouais, elle ne se, se, dé... se dérègle pas. Donc elle reste toujours à la bonne date avec le. On peut la régler sans problème, avec les aiguilles, etc. Mais Et ce qui est incroyable, c'est que même pour aller dans un sens qui est tout à fait consistant de protéger l'intégrité de la montre, mmh. vous avez conçu un système qui la rend impénétrable. Oui, quasiment impénétrable. On s'amusait là aussi. <laughs> Mais ça, c'était un une coffre-fort au départ. On voilà. voulait euh, qu'on fasse en sorte d'avoir quelque chose qui était vraiment spécifique, fermé, qu'on puisse être à peu près les seuls à ouvrir. Voilà donc, du coup, euh, seul on... Les horlogers accrédités ouais. au cours des siècles, ce que, que vous voyez à l'extérieur <laughs> ne sont pas, sont des, pas des vis. vis. Donc, vous allez vous demander ce que c'est. Bah ben oui, volontiers. Ce sont des pignons. Des pignons Oui, des têtes de pignons, en fait. D'accord. Qui sont montées par l'intérieur et qui font l'étanchéité et la fermeture avec un système de, de verrou type coffre-fort. Et donc, si vous n'avez pas <laughs> l'alignement... L'exacte position oh, même de chaque de, planète. Elle ne s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à, à l'heure fatidique le petit secret. Le petit secret. <laughs> Le petit secret qui est arrivé euh, plus tard aussi. Oui, ouais, qui est arrivé euh, plus tard dans la conception, qui s'est c'était encore un, un délire supplémentaire. On se dit, tiens, parce qu'après tout, on a quand même quelque chose, un cycle qui est euh, très lent, et on pourrait toujours s'en servir pour euh, indiquer un petit message, que ce soit au porteur suivant ou que ce soit euh, au porteur premier de la montre, on va dire. Mais, euh, mais à un instant défini, qui est défini par... Euh, par le, la personne qui, par le porteur, la personne qui demande la montre, à un instant précis, il y a un message qui sort, qui apparaît dans la montre. Donc la montre va se reconfigurer pour laisser apparaître un message. Et je trouve que c'est euh, quelque chose qui est très symbolique, puisqu'en fait, euh, il y a ce sentiment de transition générationnelle on passe la montre à quelqu'un d'autre et la vie va continuer et la montre va continuer et elle va survivre et elle va être portée par quelqu'un d'autre qui aura un message qu'il pourra lui-même personnaliser pour donner à son, son tour et donc à ce il va reconfigurer et Il pourra le pour choisir ouais. il pourra le choisir donc il peut la désarmer comme il peut changer de message puisque c'est une plaquette indépendante mm -hmm. simplement pour perpétuer cette tradition. Pour en venir sur des, euh, des éléments esthétiques, euh, au niveau finition justement, il y a des, euh, des choses très intéressantes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que tu as voulu faire En fait, on ne s'est vraiment pas donné de limites, on s'est euh, dit quitte à faire quelque chose comme ça, autant aller le plus loin qu'on peut en termes de décoration, euh, en termes de, disons, de, de matière. Et, euh, et on a fait une espèce de petit euh, mix, on va dire, de tout ce qu'on aimait, nous, L'idée voilà. euh, c'était de mettre en relief. En fait. C'était ouais. d'avoir un pièce... mécanisme avec des, des pièces assez fines. Et... C'est d'avoir une pièce où on puisse se perdre au niveau du regard. C'est pour ça qu'il y a plein ah, de choses ça, qui ça, sont... C'est ouais. très, très, très open work, c'est très ouvert comme, comme mouvement et on peut vraiment s'amuser à la regarder sous tous les angles et y, y découvrir encore des petits détails. Il y a, plein de, il y a des, des petits messages aussi, des petites plaques gravées qui sont sous des pièces qu'on peut voir que dans un certain angle. Donc il faut les chercher, il faut les trouver. Quand on le sait, bien sûr, quand on ne le sait pas, on peut tomber dessus par hasard. Et, euh, et le but, c'était que... Il euh, n'y a, a pas de cadran en proprement parler. Le but, c'était de pouvoir mettre en avant euh, tout le côté mécanique. Ce mélange de disques les uns sur les autres, justement, ça, ça, on trouvait que ça donnait un effet justement euh, magique un peu de dates, de chiffres qui se promènent, qui reflètent bien justement les siècles qui passent avec les, les dates. Se dire, on ne veut pas de, de couronne, on ne veut pas de tige. On de voulait retourne. pas de couronne. Ouais. On ouais, que ça soit vraiment au niveau euh, esthétique assez pur. Donc là, il y a trois clés qui, puissent, qui peuvent euh, remonter ici et faire la sélection pour la mise à l'heure et la mise à date. Et euh, on s'est dit au départ, bah, le problème avec un montage à clé, c'est que les clés, ont les perd. Ouais. Donc on en a mis une de sécurité, on en a caché une dans la montre. Ici. Et du coup, c'est une pièce unique Ouais. Pour l'instant oui, mais voilà c'est ça que j'allais voilà. Voilà, elle est unique, mais il y a tous les plans, elle est modélisée, donc euh, l'idée du départ donc bah, c'était le... de faire de. Et, et, et je dois dire que ce qui me surprend, c'est l'intérêt marqué de personnes de d'en avoir une et qui est née justement avec la présentation de, de cette montre. Oui. Et maintenant, c'est vraiment c'est la c'est la deuxième phase et je vais pas parler d'industrialisation, mais en tout cas de Ça va de être compliqué. C'est choisir... <laughs> un peu compliqué. De, ça va être un peu <laughs> voilà, mais de choisir un certain nombre de Personnes qui eux-mêmes sont porteurs de cette démarche et qui veulent s'engager et qui pourraient justement utiliser cette monde pour se rappeler que non seulement leur action a été utile, mais les encourager à perpétuer. Well I hope you enjoyed this video again what an amazing piece what an amazing demonstration of watchmaking genius and thanks to Benoit to give these guys the opportunity of taking their time to develop something without much constraints apart the ones uh, of their almost limitless creativity Well now we can say a truly massive viva watchmaking thanks for watching and see you real soon bye